les titres principaux. L'Éthiopie poursuivra ses efforts pour assurer la paix, la sécurité ainsi que la prospérité mutuelle, a affirmé le nouveau président du pays, Taïs Kassélassé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude à la présidente sortante Sahle Zoudé pour les services qu'elle a rendus au cours des 10 dernières années. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morkan avec le journal. L'Éthiopie poursuivra ses efforts pour assurer la paix et la sécurité ainsi que la prospérité mutuelle, a affirmé le nouveau président du pays, Taïs Kassélassé. S'adressant à la séance d'ouverture conjointe de la Chambre des représentants de la Chambre de la Fédération, le président Taïs a dévoilé que l'Éthiopie a tout fait pour la paix et la sécurité de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland sur la base du bénéfice mutuel, a déclaré Taïs, ajoutant que le pays a jusqu'à présent pour résoudre la tension diplomatique. Outre les efforts de l'Union africaine et de l'IGAD, l'Éthiopie poursuit ses activités diplomatiques pour résoudre les conflits au Soudan, a ajouté le président. Des progrès tangibles ont été enregistrés en matière de diplomatie bilatérale, tandis que les relations avec la Chine ont été élevé au rang du partenariat stratégique à toute épreuve, a noté Taïs. Il a également ajouté que les efforts ont été entrepris pour renforcer les relations bilatérales avec le pays du Golfe qui ont des capacités politiques, économiques et militaires, a-t-il indiqué. Par ailleurs, l'influence diplomatique de l'Éthiopie, dont le multilatéralisme s'est rendu renforcé à l'adhésion au BRICS plus, le démontre, a souligné Taïs. Le nouveau président éthiopien Taïs Kassélassé a réaffirmé l'engagement inflexible de son pays à sécuriser un port alternatif et un accès à la mer grâce au principe du mandat donnant-donnant. La session conjointe de la sixième année et du quatrième mandat de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération a nommé l'ambassadeur Taïs Kassélassé président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Dans son discours à la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, le président Taïs a expliqué les plans du gouvernement pour cet exercice budgétaire éthiopien dans tous les aspects du pays. Dans son discours, le président Taïs a souligné les efforts de l'Éthiopie pour sécuriser les ports alternatifs et un accès à la mer grâce à une approche de donnant-donnant. Le président Taïs a en outre décrit les plans ambitieux du gouvernement pour renforcer la position de l'Éthiopie sur la scène mondiale. Le président a expliqué que les efforts entrepris par l'Éthiopie pour obtenir un accès portuaire et maritime en utilisant cette approche alternative ont été renforcés et se poursuivront de manière vigoureuse. Le nouveau président Taïs Kassélassé a exprimé que le Grand Barrage de la Renaissance est un méga-projet qui représente la réalisation exceptionnelle de l'Éthiopie dans son histoire moderne. S'adressant aux deux chambres, le président Taïs a souligné l'achèvement du barrage et son cinquième cycle de remplissage d'eau, marquant une étape majeure dans le parcours de développement du pays. Il a également relevé l'achèvement de ses travaux de génie civil, ajoutant que leurs efforts collectifs resteront dans les mémoires de l'Éthiopie. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien ne sert pas seulement de source vitale d'électricité, mais il répond également aux aspirations nationales du pays qui n'ont pas encore été concrétisées, a-t-il noté. En outre, le président a souligné que le barrage bénéficiera aux pays voisins en faveur du développement régional et en réduisant les risques associés à la gestion du bassin fluvial. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude à la présidente sortante Sahle Zoudé pour les services qu'elle a rendus au cours des
16 dernières années. Le Premier ministre a également adressé ses meilleurs voeux au nouveau président, Taïe Aspas-Selassie, qui a prêté serment plus tôt cet après-midi. L'un des objectifs des réformes est de consolider les institutions. Les fonctionnaires nommés s'acquitteront de leurs responsabilités pendant leur mandat, a-t-il dévoilé. Le Premier ministre Abiy Ahmed, au nom du gouvernement éthiopien, a exprimé sa gratitude à Sahle Zoudé pour les services qu'elle a rendus en tant que président de l'Éthiopie au cours des 6 dernières années. Par ailleurs, Abiy a présenté ses meilleurs voeux au nouveau président Taïe Aspas-Selassie. Le vice-premier ministre Tamasgen Touruna a transmis ses félicitations au président Taïe Aspas-Selassie en disant « Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre mandat ». Il a déclaré qu'il était pleinement convaincu qu'il servirait notre pays avec sincérité, sagesse et un profond sens du but dans ce poste important. Le vice-premier ministre a également déclaré que je voudrais exprimer ma gratitude à Sahle Zoudé qui a servi l'Éthiopie en tant que président au cours des 6 dernières années. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a félicité Taïe Aspas-Selassie pour sa nomination à la présidence de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le président de la Commission a également félicité la présidente sortante Sahle Zoudé pour son leadership historique et marquant au cours des 6 années de mandat en tant que présidente. Moussa Faki a en outre réitéré le soutien continu de la Commission de l'Union africaine au parcours de l'Éthiopie pour approfondir la démocratie et le développement durable du pays selon l'Union africaine. Et pour conclure, le journal, le secrétaire exécutif de l'IGA de Workana Gabayou a félicité Taïe Aspas-Selassie pour son investiture en tant que président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le secrétaire exécutif a reconnu la contribution de Sahle Zoudé à la promotion des intérêts de l'Éthiopie et à la promotion de la coopération régionale selon un communiqué de presse publié hier. L'IGAD a également exprimé sa gratitude pour son service et son dévouement à la République fédérale démocratique d'Éthiopie et à la région du sens large. Alors que Taïe a assumé la responsabilité de la présidence, l'IGAD a réaffirmé son engagement à maintenir et à renforcer davantage la coopération avec l'Éthiopie et les questions d'intérêt commun, notamment dans les domaines de l'intégration régionale, de la paix et du développement. Il a été indiqué que l'IGAD se séjourne de poursuivre son partenariat et son engagement constructif avec les dirigeants de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie poursuivra ses efforts pour assurer la paix et la sécurité, ainsi que la prospérité mutuelle, et a affirmé le nouveau président du pays, Taïe Aspas-Selassie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude à la présidente sortante Sahle Zoudé pour ses services qu'elle a rendus au cours des 6 dernières années. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkan, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes.